Ok, bonjour à tous et bienvenue pour ce dimanche 14 mars pour ce Water Team. Donc, vous allez commencer par un petit émum de 9 minutes en indive. Donc, minute 1, vous allez partir sur 40 secondes de montée de genoux. Donc, hein, le plus haut possible, bien sûr. On fixe un point, on est tonique. Minute 2, 40 secondes de planche active. Donc, on est en position de gainage, on lève bras droit, puis bras gauche, on repose bras droit, puis bras gauche et on alterne. Ok ? On fait attention pour son périnée, transverse, lombril, tout engagé. On est gainé. Minute 3, entre 8 et 12 dumbbell snatch alternés. D'accord ? Je vous fixe toujours un point, je baisse les fesses et j'arrache, j'alterne, que je passe au-dessus de la tête. Je verrouille les articulations et j'alterne. Ok ? Ça, à faire pendant 9 minutes. Le Water Team, c'est 20 tours. 10 tours chacun. Donc moi, je fais mon tour, après mon collègue fait mon tour. Ton tour, ainsi de suite, jusqu'au 20e tour. Un tour, c'est quoi? 12 burpees over the dumbbell ou la charge que vous avez en bas. Ça peut être un sac. L'objectif, c'est de faire 12 burpees. Je saute par-dessus l'objet et j'alterne au fur et à mesure jusqu'à 12 reps. Une fois que c'est fait, je pars sur 6 snusters. Le snuster Kesako. Je prends ma dumbbell, je la pose en hang. À partir de là, je fais mon snatch. J'ai une articulation. Je pose l'objet au niveau de l'épaule. Et là, je pars sur un squat et je me redresse en tendant. Donc, c'est un snatch plus un thruster. Ça fait le snuster. Ok ? Il y en a 6 à exécuter. D'accord ? Très simple. Donc, moi, je fais 12 reps plus 6. Après, mon partenaire fait 12 reps plus 6. Et ça, pendant 20 tours. C'est un peu long, mais au moins, vous aurez bien bossé. Et comme ça, vous pourrez dormir tranquillement et vous préparer pour la semaine prochaine. Ok ? Je vous dis de passer un très bon dimanche. Et bisous, bisous, cœur, cœur, love. Voilà.